c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est le 19 novembre et ça me fait très plaisir de vous parler en direct de mon petit studio à Saint-Jean sur Richelieu. Si je vous parle aujourd'hui, le 19 novembre, qui est en fait la première neige, la première journée de neige chez Moulou, ben ça me fait très plaisir de vous parler d'Afrique et de soleil. Et c'est pour ça que j'ai mis mon boubou traditionnel que j'ai eu la chance d'avoir en Côte d'Ivoire il y a plusieurs années. Pourquoi je vous parle de soleil et d'Afrique? C'est parce que hier soir, moi et ma chérie, on a eu la chance d'aller voir un très beau spectacle de Zal Sissoko, qui est un griot sénégalais installé au Québec depuis 1999. Et Zal Sissoko, bon, c'est une personnalité connue ici, qui a fait plusieurs disques et qui a fait plusieurs tournées à travers le monde. Vous avez pu entendre un petit peu de sa musique en introduction. Ce qui est très, très intéressant de Zal Sissoko, c'est que cette année, ou plutôt l'année passée avec la pandémie, Zal a fait un nouveau disque qui s'appelle Kora Flamenca, qui est grosso modo le mélange de la kora, donc la kora madengue, qui est finalement son instrument de musique, avec la guitare flamenca. Donc ça fait des sons très intéressants de voir justement cette kora sénégalaise-là et la guitare flamenca ou le flamingo qu'on voit en Espagne et tout ça, et de voir ce mélange de sons-là, ça a été très intéressant. Qui m'amène mon mot du vendredi aujourd'hui, la musicienne de guitare qui s'appelle Caroline Planté, elle dit pendant le spectacle que lorsqu'elle a fait ses recherches concernant la musique avec la kora, elle a vu beaucoup de similarités entre les tonalités du flamenco ou de la flamenca ainsi que la musique sénégalaise. Et que finalement, elle se disait qu'il y a tellement de similarités que finalement, un a influencé l'autre et vice-versa. C'est que souvent, lorsqu'on est finalement dans ce mélange culturel-là, on ne se rend pas compte, mais qui nous sommes aujourd'hui, c'est un mélange de toutes les cultures qui sont passées avant nous. Donc c'est justement cet enrichissement de ces cultures-là qui nous permet d'avancer et de pouvoir faire une nouvelle culture ensemble. Donc finalement, mon conseil d'aujourd'hui, c'est que ne vous gâchez pas l'opportunité d'apprendre des autres cultures avec qui vous êtes. Parce que cette mondialisation-là va nous permettre finalement d'apprendre d'un peu partout, de voir ce mélange de cultures-là qui va créer une nouveauté. On le voit très bien dans la cuisine, par exemple. Donc les recettes se sont promenées à travers le monde, les aliments, la musique, les sons et espérons-le aussi la sagesse. Parce qu'une société qui devient trop monoculture, ben c'est un peu comme la monoculture au niveau de l'agriculture, ben finalement, on réussit à se recentrer sur nous-mêmes et de perdre toute cette diversité-là. Donc moi, je vous dirais, si possible, arrêtez de vous recentrer sur vous-même et ouvrez-vous. Ouvrez-vous à l'innovation, ouvrez-vous aux nouvelles idées, ouvrez-vous aux nouvelles cultures qui sont autour de vous. Vous allez voir, c'est très, très enrichissant et ça va vous permettre de faire des grands pas. Donc finalement, je vous souhaite à tous un super bon week-end et profitez-en. On se voit la semaine prochaine. Ciao!